Rebel soul child, got a fist bar. I'm a respawn of ancestors, and I'm blessed, huh? They are not him, tell him fess up. I get checked up, hella carefree, nothing scares me, hella reckless. Yeah, I got next up, right? No, we not the same. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, épisode exceptionnel de LSPDFR. Encore une fois, une nouvelle intro, j'espère qu'elle vous a plu les amis. J'espère aussi que le dernier épisode vous a plu. Pour me faire pardonner de pas vous avoir sorti la semaine dernière un épisode de LSPDFR, je suis en train de tourner à la suite cet épisode, enfin à la suite quelques jours près, mais en tout cas j'ai pas vu les retours du dernier épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que ça va pas vous déranger, parce qu'aujourd'hui les amis, on est de retour dans les quartiers chauds. Et dans le prochain épisode, on fera un épisode militaire. Je vais travailler pour avoir une sorte de mission militaire. J'espère que ça vous fera kiffer également. Aujourd'hui, les amis, vous l'avez compris, nous faisons également partie de la Task Force. Encore une fois, nous sommes l'unité 21. Je suis en compagnie de Fred et j'ai mis en place un checkpoint. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Tu viens, Fred, on va traverser en toute sécurité. Alors aujourd'hui, pour cette patrouille, évidemment, on aura une petite Audi R8 parce que ce sera un épisode à base de course poursuite. J'avais envie de mélanger du coup les quartiers chauds plus course poursuite, donc ça pourrait être assez sympa. Donc petit tour du propriétaire. On est en pleine collaboration, parce qu'on est en plein cœur des quartiers chauds. Donc on est en collaboration avec les patrouilles locales, avec le FIB, donc le FBI, et les militaires locaux. Évidemment, hein, c'est pas toute l'armée qui est là. Ici vous avez vu, on a une petite saisie de drogue. Ici on a une petite pareil, une saisie de cannabis. Enfin voilà. Ici on a le petit poste de contrôle qui a été mis, en place. Les soldats qui sont un petit peu répliqués partout. Là on a une arrestation en cours. Tous les véhicules à disposition. Là-bas on a le SWAT qui se prépare pour des interventions, comme dit dans le prochain épisode. D'ailleurs dans le prochain épisode, je vous tease un petit peu, mais j'ai envie de créer un truc où en gros on sera des militaires et on sera en coopération avec le SWAT. Ça va être incroyable, je vous jure, on va faire un truc de ouf. Je veux pas vous vendre du rêve et j'espère qu'on va réussir ça dans le prochain épisode. Enfin voilà. Tu viens, Fred, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre Audi R8 et on va patrouiller tout simplement dans les quartiers en attente d'une intervention course poursuite. Donc on va se focus là dessus Vous l'avez vu à l'intro de cette vidéo, donc je m'invente un petit peu des trucs, mais c'est vrai que c'est une bonne technique. Ça s'appelle répression, dissuasion, sécurité. Donc c'est à dire on est là pour faire un petit peu peur et du coup dissuader les gangs de faire n'importe quoi. Comme dit, on a la dissuasion militaire qui est juste ici, la gang task force également. Je vais vous montrer un petit peu derrière les bas-fonds du quartier. Donc là tout est bloqué, hein, on a mis des barricades. On peut passer par là, on a une sorte d'issue de secours, mais vous voyez on a un petit peu tout bloqué pour éviter les débordements tout simplement. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de faire demi-tour sans écraser les collègues, ce serait plutôt pas mal. Voilà, ça passe crème. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller patrouiller par là-bas. Hop, on me laisse passer. On va aller patrouiller par là-bas, magnifique Audi R8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Ici, il y a beaucoup d'attaques de gangs. Forcément, depuis qu'on a mis en place ce checkpoint, il y en a un petit peu moins. Forcément, ils ont un petit peu peur. Mais ils sont toujours dehors, hein. Regardez, ils essayent de nous provoquer des fois. Donc on va évidemment se tenir tranquille. On est l'unité 21, donc ça veut dire qu'il y a d'autres unités de la gang task force qui patrouillent actuellement ici. Un petit peu partout dans les quartiers chauds. Donc je ne suis pas tout seul avec Fred, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Voilà,
tranquillement. On peut faire des petites vérifications sur les véhicules, on fait vraiment tout ce qu'on veut. J'ai installé un script qui permet de mettre des hers en plein milieu de la route, donc pour crever les pneus et le faire nous-mêmes. Donc c'est trop bien et c'est trop bien fait. Je vous montrerai en cas de course poursuite comment ça fonctionne. C'est vraiment trop stylé. C'est, je vous jure, j'adore ce script, il est fou. On n'a même plus besoin d'appeler des collègues pour mettre des hers, puisque nous-mêmes on pourra faire des barrages nous-mêmes. Ah, écoutez les gars, non, je vous montrerai en course poursuite. J'avais envie de vous montrer maintenant, mais je vous montrerai en course poursuite, ce sera beaucoup mieux. Je vais pas vous spoil, vous le verrez en temps voulu. Donc là on prend un petit peu, voilà, je sais qu'avec cette Audi R8 c'est peut-être un peu mal vu de faire ce que je suis en train de faire, mais voilà, on prend un petit peu les petites ruelles. Après on a quand même une petite voiture sportive, donc on peut en profiter pour prendre des petits chemins, quoi, des petites ruelles. Après je sais évidemment que c'est peut-être pas spécialement fait pour. En plus le véhicule est assez bas. Ok, on a une course poursuite d'un caddie de golf. Ah, visiblement, ouais, non, elle était trop proche. Elle a des pop. C'est pas grave les amis, attendez, je vais rappeler une intervention. Dans ça on s'en fout. Oh, explosive found. On a des explosifs qui ont été trouvés. Alors là par contre, c'est pas cool. On a un témoin qui aurait trouvé un sac suspect. Ça c'est quelque chose qui est pas rare, surtout dans ces quartiers. Ok, donc patrouille 21 prend intervention pour le sac suspect. Hein. On y va. Bah, c'est vrai que je peux pas. Le véhicule n'est pas ELS, je le rappelle. Ok, vite, 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 faut vite sécuriser les lieux. Alors où est le sac? Où est le sac? Alors attendez, faut qu'on cherche. Faut qu'on se dépêche. Hein. Bon, on va se permettre de monter le trottoir. J'essaie de faire ça le plus réaliste possible, mais c'est assez compliqué. Bah attends, il est où le sac? Oh les gars, je vois pas de sac. Donc là déjà ça va être compliqué, quoi. Je vais me mettre en plein milieu. Vas-y viens Fred, on sort. Ok, 21 présent sur place à la recherche du sac, terminé. Mais attends, l'autre il part en courant, mais j'imagine qu'il a rien à se reprocher. Et bah alors, il est peut-être par là. Oh là 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 là. Ok, 21, on a trouvé le sac et on va faire ce qu'il faut faire, terminé. Allez, on va désarmer l'explosif. Je sais pas comment on fait, mais j'ai été formé pour ça apparemment. Alors, numpad et lower. Ok. Alors, je suis en train de couper les câbles, j'ai très peur de ce que je fais. Je coupe le bleu. Et je coupe le rouge. Oh, oh les gars! Oh les gars, je viens de désarmer un explosif avec, grâce à ma formation. La formation qui s'appelle faire ça à l'instinct. J'ai coupé le fil jaune, j'ai coupé ensuite le fil bleu et ensuite le fil rouge. Retenez bien ça les amis, c'est comme ça qu'on désamorce un explosif. Et je suis désolé parce qu'en termes de RP, j'ai tout fait comme il fallait pas. Genre, j'aurais dû évacuer la zone en fait. Mais c'est pas grave, ma formation a suffi et ça a bien marché. C'est un code 4, j'ai réussi les gars l'intervention. Je suis refait. Fred, on a réussi mon pote. 21 code 4, terminé. Oh c'est bon ça, reprise de patrouille, on y retourne. Ah oh, c'est bon. C'est pas bien ce que j'ai fait, j'aurais dû évacuer la zone. Mais j'ai fait ça sous le stress, je connaissais même pas ce call-out. Donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu à la va-vite, c'est pas grave. On va essayer de s'appliquer maintenant pour le reste de l'épisode des amis pour faire des choses un petit peu plus RP. Et puis je vous reprends dès que j'ai une intervention course-poursuite ou un truc dans le genre. A tout de suite les amis. Ok, 21 prend intervention sur Pillbox Hill. Conducteur dangereux, c'est parti. Donc là, on nous signale un conducteur dangereux. On a déjà une autre unité qui est... également en train de rejoindre, il doit être dans le parking. Ok, ok, il est en dessous. Il est en dessous, il est en dessous, il est en dessous. Ok, c'est parti, on y va. Donc un conducteur qui conduit très dangereusement. On va prendre toutes les précautions. Alors où est le véhicule? Il est... ouais, ok, non, ça c'est les collègues sur place. Il est rentré à l'intérieur. Donc on sait pas, il a peut-être quelque chose à se reprocher à mon avis. Ah non, il nous a échappé. Alors attendez, 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 on va investir les lieux. On va investir les lieux. Il a pas pu partir bien loin, il est allé là. Ok, il est monté à mon avis, il est monté, il est monté. Putain, il est où, il est où? Ah, il arrive. Oh, ok, 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 ok. On l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Barre-toi, barre-toi, toi. Ah, mais c'est lui. Il vient de quitter son véhicule. Il vient de quitter son véhicule. Ok, 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 ok. Arrête-toi là, c'est la police. Attends, on va le taser. Ok, j'ai foiré. On va juste le taser.
Ok, j'arrive pas. Ok, c'est bon. Vas-y Fred, on sort, on le prend en joue. Allez, relève-toi, mets tes mains en l'air. Couche-toi au sol un instant, couche-toi au sol. Tout va bien se passer mon pote, t'inquiète pas. Allez, les mains dans le dos. Vous êtes en état d'arrestation monsieur. Pour tentative de fuite et conduite dangereuse. Ok, un 21 code 4, tout est sous contrôle. Allez, sans plus tarder, mets-toi à genoux. Mais non, mais c'était pas ça que je voulais faire. Relève-toi, pardon, excuse-moi, je suis un peu bête dans ma tête. Hein. Retournez-vous, monsieur, je vais vous fouiller. Faites pas de gestes brusques. Alors, j'ai pas compris où est sa voiture, par contre, parce qu'apparemment, ouais, je pense qu'il s'est garé et qu'il s'est vite barré en courant, quoi. Un classique. Ok, il avait de la Marie-Jeanne. Donc, ça va être pour ça qu'il prenait une fuite et qu'il roulait n'importe comment. Florence South. Ok, recherche au fichier pour Florence South, s'il vous plaît. Ok, il est né en 81, licence valide, pas de mandat d'arrêt, très bien, très bien. Bon monsieur, retournez-vous, on va faire un petit test d'alcoolémie, je vais vous demander de souffler tout simplement dans ce petit éthylotest. Soufflez. Voilà, très bien, merci monsieur. Ok, il a consommé de l'alcool, mais il n'est pas au-dessus de la limite autorisée. Monsieur là, est-ce que vous avez consommé de la drogue récemment? Vous avez jamais utilisé de drogue dans votre vie, ok. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez? Vous venez d'où? De chez vos amis. Et vous alliez où là? Vous alliez au magasin. C'est pour ça que vous étiez pressé comme ça. On va faire un petit test de dépistage de drogue, monsieur. Un petit test salivaire. Fred, il m'a donné le test salivaire. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Négatif, ok. Bon, monsieur n'a rien à se reprocher. Par contre, il avait de la Marie-Jeanne sur lui. Il avait de la marijuana sur lui. Donc, peut-être un dealer. C'est peut-être un dealer. Donc, ce qu'on va faire, on va lui appeler un police transport. Vous allez partir au Comico. Enfin, je dis au Comico, mais. Vous allez partir à la police station. Ils vont vous interroger. Moi, je vais vous créer un arrest report. Mais du coup, c'est seulement. Voilà. Hein. Parce que j'ai pas le choix. Mais il aura peut-être rien, hein, du coup. Hein. Créer cet arrest report. Donc, pour trafic. Toc, evading arrest, non, c'est reckless driving, voilà, donc conduite dangereuse. Enfin, il a pas fait attention en conduisant. Et il a essayé de se barrer par contre. Hein. Evading arrest, ah bah voilà, evading arrest, pardon, je l'avais pas vu. Donc il a essayé de s'évader. Voilà, submit charges. On fait pas ça dans la dentelle, hein, bien évidemment. Hein. Allez, tu viens, Fred, on repart. Il y a les collègues qui arrivent. J'aimerais bien que tu rentres dans le véhicule, Fred. Voilà. Ah, d'accord. Eh Fred, j'avais oublié de déverrouiller la voiture, c'est pas une raison pour casser la voiture quand même. Non mais alors l'autre, attendez, on va juste réparer le véhicule rapidement. Il est con, Fred il est un peu con hein, vous savez. Ok, donc les collègues sont sur place, évidemment c'est une fin d'intervention. Hein. 26, hein, suspect appréhendé. Hein. Nickel. Eh ben on est reparti en patrouille les amis. On est reparti en patrouille, on va repartir dans les quartiers un peu plus chauds parce que c'est vrai que là on les a quittés, on est nouveau dans les quartiers un peu plus au niveau de la banque, etc. Donc voilà, on va se retourner un petit peu de nouveau dans les dans notre zone de patrouille et d'intervention, hein, bien évidemment. Hop. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cet épisode vous plaît, j'espère que vous kiffez mes petites introductions et puis mon RP que j'essaye d'appliquer le plus possible. Vous entendez les coups de feu? Je vous rappelle les amis qu'il y a un stand de tir juste à côté, donc c'est tout à fait normal, les coups de feu c'est à l'intérieur. Évidemment on est habitué à ça, on arrive à faire la part des choses, des fois ça peut effrayer forcément. On est quand même aux États-Unis, hein, le port d'armes il est autorisé, donc des fois on sait pas trop ce qui se passe, faut faire un peu attention. On va faire une vérification là pour ce camion là. Allez, demande au fichier pour... pour une mule normalement, voilà, 48 papa Mike 002 Earl Buntag, 0 citation. Ok. Donc le propriétaire du véhicule, il conduit avec un permis suspendu, donc il a pas le droit de rouler normalement. En tout cas le propriétaire, on sait pas c'est qui roule à l'intérieur. Donc on va procéder, ok, 21 procède à un contrôle sur le camion demandé. Terminé. C'est pour vous, monsieur. Est-ce qu'il va coopérer? Ah, il va pas coopérer. Ok, 21, refus d'obtempérer. Déclenche une course poursuite. Déclenche une course poursuite. Ok. On s'arrête. Attendez, il faut juste que je prenne mon petit... faut que je prenne mon mégaphone. Ouais, j'ai fait un bug sur la caméra, je suis désolé. Attendez, hop. Police, on s'arrête. Arrêtez-vous, monsieur, ou on va prendre la manière forte.
Arrêtez-vous. Ok, va... ok, il s'est planté tout seul, il s'est planté tout seul. Faut surtout pas qu'il y ait de coups de feu, on est en plein dans les quartiers chauds. Sortez du véhicule, monsieur. Sortez du véhicule, les deux mains en évidence. Couche-toi au sol, couchez-vous, 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 couchez-vous. On va pas tirer, couchez-vous. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur, les mains dans le dos. Ok, faut vite qu'on évacue la zone avant que ça parte en cacahuète. Alors pourquoi Fred y part, je ne sais pas. Ok, bon, on l'a attrapé. Je sais pas, Fred, il s'est fait qualifier d'ennemi. Regardez, il y a un bug dans les plugins, c'est excellent. C'est excellent, ça. Allez, on va évacuer, on va se mettre sur le côté. Mettez-vous à genoux. Je vais demander... déjà, je vais faire un end call-out, si c'est possible. Non, c'est bon. Ouais, et mon collègue, il m'a fui, je comprends pas pourquoi. C'est bugué de ouf. Je vais appeler une unité sur place, là. J'ai besoin de backup. Parce que là, c'est assez... Bah, le camion, il s'est fait emmener, c'est bon, parfait. Je vais dégager la circulation. Parce que là, c'est un petit peu compliqué, là, comme situation. J'aime pas trop le... J'aime pas trop l'idée. Hop. Voilà. J'aime pas trop ça, on est dans un quartier chaud. Bon, les collègues ont du mal à venir parce qu'ils passent par les barrages que j'ai mis là-bas. Ils sont teubés, mes collègues. Je sais pas ce qui se passe, les amis. C'est pas grave, on va continuer, vous inquiétez pas. Relevez-vous, monsieur. Hop. Retournez-vous, je vais vous faire une palpation de sécurité. À mon avis, c'est pas le propriétaire du camion. Hein. Si vous voulez mon avis. Earn Buntag, ouais, c'est pas le propriétaire du camion. On va faire un pet de check. Putain. Il s'est passé des choses incroyables. Ok, eh ben Fred est de retour. Fred est de retour. Toujours, il est toujours qualifié d'ennemi, visiblement, par le jeu, c'est bizarre. Licence suspendue. Ok, donc lui non plus, il a pas le droit de rouler dans tous les cas. Hein. Eh ben, c'est assez particulier comme situation. Je vais sortir ma tablette. Attendez, bougez pas. Pen record. Licence suspendue, il s'est jamais fait arrêter. Enfin, si, il s'est fait arrêter deux fois, mais il a jamais rien eu. Ok. Bon, je vais lui créer une... Non, on va l'arrêter en fait. On va l'arrêter parce qu'il nous a échappé. On va pas perdre plus de temps. J'ai les collègues qui sont sur place maintenant. Mais je m'en fous, il me faut un prisonnier de transport pour lui. Il va partir au Comico. Et on va lui créer un... On va lui créer un arrest report en attendant qu'ils arrivent. Pen record, machin. Create arrest report. Donc trafic. Drive, oui. Wild, licence suspendue. On va pas faire plus d'investigations sur le camion, c'est les collègues qui s'en chargeront. Et evading arrest également, puisque du coup il a essayé de s'échapper de la même façon. Submit charges, parfait. Ça c'est bon. Les collègues arrivent. Et les amis, je vais faire une courte ellipse parce que je vais relancer tout simplement les plugins puisque c'est buggé. Hein. Vous l'aurez remarqué, c'est buggé. Donc on se retrouve juste après, les amis. Et puis je remettrai ma caméra. Bougez pas, à tout de suite. De retour les amis, ça y est, après je ne sais combien de minutes de temps d'attente et de réessayage parce que le jeu arrêtait pas de crasher, nous revoici en patrouille, donc toujours au même secteur. Cette fois-ci Fred est parti, je ne sais pas pourquoi Fred est parti, il en a eu marre de sa journée, je pense qu'il a eu peur. Du coup je suis en compagnie de Anto, voilà, salut Anto. Et donc nous on est reparti avec notre traditionnel Audi R8 bien évidemment. Et vraiment j'ai hâte pour le prochain épisode si c'est possible, vraiment je veux vraiment... pas vous gâcher la surprise, mais dans l'idée on sera militaire et on sera beaucoup. On sera beaucoup de véhicules en patrouille et on fera un assaut à quelque part. Bref les amis, ça va être incroyable. On a une poursuite au niveau de Rancho. Ça se passe où? Ça se passe là-bas. Ok, 21 s'engage sur la poursuite, hein, c'est parti. Donc on va y aller. Une poursuite, course poursuite, c'est nickel, c'est pour nous. Comme dit, nous on peut mettre des herses et c'est ce qu'on va essayer de faire les amis. Regardez les amis, regardez, je vais mettre des herses juste ici. Hop, je pose les herses. En espérant que ce sera utile ou pas. Là aussi. Ah non, il nous a feinté. Il nous a feinté. Anto, enlève-moi les herses, hop. Voilà, il les a enlevés, c'est bon. Vas-y, viens Anto. Mais il va venir sur nous ce con, regardez. Ah non, il vient pas sur nous. On va essayer de le prendre en parallèle. On va essayer de faire ça stratégiquement. Oh, il prend la fuite à pied. Ah non, j'ai servi à rien durant cette poursuite. Bon bah les amis, vous aurez vu le script des herses. Mais malheureusement, j'ai servi à rien. J'ai servi à rien, il se fait arrêter. Bon bah GG, il se fait arrêter. Les collègues. Et c'est même pas la patrouille de Task Force hein, qui se sont occupés de cet individu. Ok, ça c'est fait. On va s'occuper des mesures supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre juste derrière. Hop, tu viens Anto. On va s'occuper de lui. Alors les collègues, ils ont perdu leur véhicule de police. Il vient de dépop, wesh. Ouais, venez avec moi, monsieur, là. Attends, en plus, il a l'air tout gentil, monsieur, le pauvre. Allez, on va se mettre sur le côté, là-bas.
Hop, tranquillement. On va évidemment faire une petite palpation de sécurité, c'est très important avant toute chose. Le collègue là-bas, il est un petit peu perdu là derrière, vous avez vu. Il est un petit peu perdu. Ok, il avait rien. Alors monsieur, monsieur. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? C'est pas bon pour la santé, très bien. Bon, pourquoi, qu'est-ce que vous faisiez là en fait? J'ai le droit de ne pas répondre, d'accord. Vous venez d'où? Vous venez d'un magasin? Vous alliez où? Ok. Il me dit qu'il vient du magasin et qu'il va au magasin, ça n'a aucun sens. Vous vivez dans ce quartier, monsieur? Non, vous vivez plus au nord. Et vous avez un mandat d'arrêt sur votre gueule ou pas? Vous devrez vérifier vous-même. Bah c'est ce que je vais faire, monsieur, vous inquiétez pas, hein. C'est quoi votre nom? Petit paix de check. Jim Grund, on va voir si vous êtes recherché, parce que sinon, pourquoi vous prenez la fuite, là? Licence expirée. Ah, c'est pour ça, monsieur, c'est parce que vous avez pas mis à jour votre carte grise. Votre permis n'est pas à jour, donc c'est pour ça que vous prenez la fuite. Vous pouvez pas juste assumer et remettre à jour. Non, monsieur veut prendre la fuite, quoi. Monsieur est beau gosse, quand même. Hein. Et en plus, il roule avec des écouteurs. Vous êtes au courant que conduire avec les écouteurs, c'est interdit, de même que conduire avec le téléphone au volant? N'importe quoi, monsieur. Bon, tu me fais un test d'alcoolémie sur lui, Anto, là, histoire que tu serves un peu à quelque chose. Et je suis mal placé pour dire ça, parce que j'ai vraiment servi à rien. Hein. Ah là là. Allez, dis-moi tout, régale-moi. Qu'est-ce qu'on a? Ok, négatif. Je te cherche le test salivaire. Hop, tac. Allez, tiens, Anto, tu lui fais un test salivaire. Hein. Également pour voir s'il a peut-être pas consommé de la drogue récemment. Régale-moi. Tu vas où, là? Non, mais je te l'ai donné, mon pote. Ok, il veut pas lui faire le test salivaire, j'ai compris. Ouais. Bon, du coup, j'ai le droit de te faire un test salivaire ou quoi, mon pote? D'accord. J'aime bien des fois quand ça marche plus. C'est-à-dire que vraiment... vraiment, des fois, il veut plus. Eh, hey, mec, t'es au courant que t'es avec moi, là? Tac, hop, tac. Bon, j'ai le droit de te faire un petit test. Bah, salut, hein, ciao. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur, je vais pas me prendre... Non, mais je rigole, hein, t'as cru quoi? Tu restes ici, là? Allez, tu restes ici maintenant, ça suffit, les conneries. Tu bouges plus. Je t'appelle... Tu restes là, mon pote, t'as des menottes, normalement. Ok, 21 coups de feu, c'était moi, hein, c'était moi. Pas d'individu qui me tire dessus, c'est bon, tout va bien. Non, mais en fait, je t'explique, tu vas... Mec, tu vas rester ici. Si t'as pas compris, en fait, le collègue va t'emmener, en fait, tiens. Vas-y, tu me le prends, là, ce mongol, là. Ah, ils sont durs à gérer, hein. Voilà. Vehicle Racing sur Davis. Ok, 21 prend l'investigation pour une course de véhicule, apparemment. Anto, go, 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 on y va. On a apparemment une course de rue. Il y a deux véhicules en jeu, donc on va y aller. Ils ont été signalés dans la zone de Davis, là-bas. Hein. D'ailleurs, je vais couper à droite, là. Et je vais prendre à gauche. Ok, on nous signale une vapide muscle core, ok. Donc deux véhicules à choper. Heureusement, j'ai les Hers, si jamais. Ah bah, je les ai. C'est ces deux-là, tout simplement. Et ben voilà, on les a, les deux véhicules. Et ben, let's go. Allez, on s'arrête. Ok, il s'arrête. Par contre, je peux pas gérer les deux. Hein. On s'arrête. Allez, je prends tous les risques. Allez, toi, tu sors du véhicule. Toi, t'es énervé, sors du véhicule. Ok, en tout, tu fais de la merde. Sors du véhicule. Les deux mains en évidence. Couche-toi au sol. Et reste au sol. Toi aussi, sors du véhicule, les deux mains en évidence. Les deux mains en l'air. Bouge pas, couche-toi au sol. Ok, Anto qui se fait écraser, j'espère que ça va pas partir en fusillade, ça. Ok, c'est bon. Il va arrêter de l'écraser, là, mon collègue, là. Allez. Eh ben, en vrai, ça se passe bien. Ok, je m'occupe encore de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font, là, les shérifs? Je ne sais pas. On a une patrouille de shérifs juste ici. Eh ben, voilà, on a chopé les deux, c'était pas compliqué. Ils s'amusaient, ils faisaient la course, et puis, bah voilà, ils se sont fait toper, tout simplement. Allez, on va se mettre ensemble. Code 4, hein, 21. Je rappelle que 21, c'est le numéro de mon unité. Bon, messieurs, là, c'est quoi, ça? Allez, tu me le fouilles. Moi, je fouille lui dans la foulée. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'ils ont.
Bon, les courses poursuites, elles sont vachement simples hein, en vrai. Ok, lui il avait rien. Il avait rien non plus. Bon, mettez-vous à genoux. Toi, on va se mettre sur le côté. On va juste sécuriser la zone parce que là c'est un peu compliqué comme situation. Pareil, tu te mets à genoux. On va investir les lieux. Je vais juste mettre mon véhicule en amont devant, les amis, parce que ça va être assez dangereux sinon. On va faire ça bien hein, si déjà. Bon, cet épisode, franchement, il est pas si mouvementé que ça. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux en vrai. Hein. Tant mieux, tant mieux. Alors, Anto, évite de passer derrière la voiture. Ça sert à rien, mon pote. Je veux juste. Anto, t'as pas compris ce que je veux faire. Anto, tu es con. Voilà. Comme ça, je gêne personne. Et tout est signalé. Bon, on va faire. Alors, vérification au fichier pour la plaque d'immatriculation d'une minivan 33 Echo Vapid Charlie 268. Target license plate. J'ai mis personne, très bien. Pas d'assurance, parfait. Et pareil là, je veux une vérification pour une Blade 99 Yankee. Je sais même plus c'est quoi, Mike. Et J, c'est quoi ça? C'est Juliette, 301. Dan Sims, ok. Bon allez, relevez-vous là. Get up, stand up, comme dirait Bob Marley, les gars. Vous avez consommé de la drogue d'ailleurs? Peut-être, je ne sais pas. On va faire un test d'alcoolémie. C'est Anto qui va le faire. Moi, je m'occupe de lui. Voilà. Donc, il est négatif. Lui, il est également négatif. Et je pense pas qu'il soit sous emprise de drogue. Hein. Je ne pense pas. Ça sert à rien qu'on fasse des tests plus poussés. Bon, messieurs, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Anto? Qu'est-ce que tu suggères? Les paies de check aussi, les paies de check. Voir si c'est leur véhicule, bien sûr. Alors là, j'ai Kawi Kiranel, donc c'est pas du tout un propriétaire de véhicule, je crois. Et lui, Michael Sweeney. C'est pas du tout les noms qu'on a vus pour les véhicules, hein. C'est pas les propriétaires. Je pense que. Ouais, c'est des véhicules volés. 100%. 100%, les gars, c'est des véhicules volés. Hein. Je vous le dis direct. On va pas se casser la tête plus longtemps. On va lui poser des questions. Bon, monsieur, vous vivez dans ce quartier? Non. Ah ouais, le mec il vit pas dans ce quartier. Vous allez où là? Ah ouais, au magasin, lui aussi dit pareil. Vous avez un mandat d'arrêt sur vous ou pas? Sachant que je sais que non. Hein. Non, peut-être dans notre pays. Véhicule questions. Est-ce que le véhicule vous appartient? Oui, c'est le mien. Ah. Ok. Vas-y, je vais poser la même question à l'autre là. Eh, monsieur Justin Bieber là. Dis-moi, Justin, c'est votre véhicule là? Ouais, c'est mien. Bon, ouais, les gars, je vais pas vous casser la tête plus longtemps. On va appeler un police transport. Vous allez vous expliquer tout simplement à la police station. Ouais, dans le même véhicule. Hein. On va les empêcher de parler. Et wow, les collègues, ils ont failli se faire faucher par le train. Mais n'importe quoi. Bienvenue à Los Santos. Welcome to Los Santos. Hein. Et puis, je vais écrire un arrest report très rapidement. Pad record, coming key. Oh bah il s'est déjà fait arrêter pour driving without license. Oh là là. Allez, arrest report, trafic. Est-ce qu'on a street tracing? Voilà. Parfait. On va se contenter de leur mettre ça juste. Michael, pareil. Criest arrest report, trafic, street racing. Voilà, ça c'est fait. Allez, tu viens en tour. On a une intervention là pour une poursuite d'un homme armé. Est-ce que je peux le prendre? Non, je peux plus prendre l'intervention, dommage. Ce sera les collègues qui s'en occuperont. Bon les amis, on va du coup s'en arrêter là. Oh mais non, mais attends, je suis en tocard, j'ai oublié d'appeler les... j'ai complètement oublié d'appeler les tow service pour dégager la voie. Hop, on appelle les tow truck, pareil pour celui-là. Voilà, on se prend pas la tête. Ok, et on y va, on est reparti en tow. On est reparti en tôt et du coup on va s'en arrêter là pour cet épisode parce que il va durer également un petit peu longtemps quand même hein. Donc on va s'en arrêter là, j'espère qu'il vous a plu, un petit peu moins mouvementé et un petit peu plus simple que les autres. Néanmoins voilà, si ça vous a plu, pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager et on se retrouve les gars pour le prochain épisode qui j'espère sera énorme, ce sera militaire, j'ai très hâte. On se retrouve très vite pour la suite, c'était Mkolo, ciao tout le monde.